Pratiqué par des centaines de millions de personnes, le vélo est un des moyens de transport les plus utilisés aujourd'hui dans le monde et rares sont ceux qui ne sont jamais montés sur une bicyclette. L'analyse technique permet de décomposer un vélo en quelques unités fonctionnelles principales. La fonction de soutien assurée par le cadre, les fourches et les deux roues, la fonction transmission de l'énergie entre le cycliste et sa machine, réalisée par l'ensemble pédale, plateau, chaîne, pignon et roue arrière, la fonction direction avec le guidon, la fourche et la roue avant et la fonction freinage. Un vélo est une machine très particulière. A la différence d'une voiture, il roule tout en étant totalement instable et son moteur est assuré par l'énergie musculaire du cycliste. Pour qu'un vélo reste en équilibre, il faut qu'il soit en mouvement. C'est un équilibre dynamique. En roulant, le cycliste intervient à chaque instant de deux façons bien distinctes. En agissant sur les pédales, il propulse la machine et lui donne de la vitesse. En maintenant le guidon, il confère une trajectoire au vélo, ou plus exactement une succession de trajectoires différentes. Un vélo ne roule jamais en ligne droite mais exécute une suite de lignes courbes, arcs de cercle, impulsées à chaque mouvement des pédales et compensées par le guidage de la direction et l'inclinaison du corps de la personne. Ce film vous propose de découvrir l'histoire du vélo, son évolution technique et les étapes de sa fabrication. L'histoire du vélo commence en 1817, date à laquelle le baron Drey, ingénieur allemand, met au point un véhicule à deux roues baptisé Dresienne. L'utilisateur, tel un véritable cavalier, enfourche sa monture, s'installe sur la selle tout en restant debout et pousse avec les jambes pour se déplacer. Il pratique alors une sorte de marche accélérée. Les Dresiennes, entièrement en bois à leur début, étaient munies d'une roue avant orientable, solidaire d'une sorte de guidon Appelé timon conducteur, dont la technique s'inspirait des charrettes de l'époque. Un an plus tard, en 1818, le baron Drey dépose le brevet de son invention sous le nom de Vélocipède, ce qui, étymologiquement, signifie pied rapide. En 1861, les Michaux, père et fils, réparateurs de Dresienne, ont l'idée d'installer deux manivelles ou pédales en position opposée de part et d'autre du moyeu de la roue avant. Ce perfectionnement fait du vélocipède un véritable moyen de locomotion pour lequel l'utilisateur ne pratique plus la marche, mais devient moteur de son engin en actionnant le pédalier. Dans le principe du vélocipède, un tour de pédale engendre un tour de roue avant, donc un déplacement équivalent à la longueur de sa circonférence. Souhaitant fabriquer des vélos susceptibles d'aller de plus en plus vite, les constructeurs augmentèrent progressivement la taille de la roue avant. Ainsi naquirent les bicycles, plus couramment appelés grand-bis, plus rapides mais plus difficiles à manier. D'équilibre précaire, l'utilisation d'un grand-bis n'est pas chose facile et nécessite un apprentissage. Pour démarrer, le cycliste doit à la fois prendre de l'élan et escalader l'arrière du vélo, en montant sur des petits marchepieds pour se hisser sur la selle. Pour descendre, il exécute l'enchaînement des mouvements en ordre inverse. Inventé en 1867, le système pédalier, chaîne, pignon, va révolutionner le vélo. La rotation du pédalier transmet le mouvement à la chaîne qui entraîne le pignon et la roue arrière. 1898. La fin du 19e siècle marque la dernière évolution technique fondamentale, l'invention de la roue libre. En tournant dans le sens avant, le pignon entraîne la roue. En tournant dans l'autre sens, la roue est libérée. Résultat, le cycliste n'est plus obligé de pédaler dans les descentes. La bicyclette moderne est née. Un vélo est un système technique constitué de différents blocs fonctionnels qui ont évolué au fil des inventions. La fonction de soutien ou fonction de sustentation est assurée par les deux roues, les fourches, le cadre et la selle. Les premiers cadres étaient en bois. Cependant, très vite on adopte le métal. Puis la forme du cadre évolue au fil des années avec de nombreuses adaptations comme celle du grand bi. Le plus grand d'entre eux possédait une roue de 2,30 m de diamètre, ce qui plaçait son conducteur à 2,50 m de haut. Une transformation particulière fut celle de l'adaptation du cadre aux vêtements des femmes, jupes ou robes, forme de cadre toujours utilisée actuellement. Les évolutions se poursuivent de nos jours, en particulier avec l'adoption des systèmes de suspension sur le cadre et les fourches des vélos tout terrain, ce qui amortit les chocs et améliore la tenue de route. Les roues subissent également de nombreuses modifications. Après avoir été entourées d'un bandage plein, elles sont équipées de pneus dès 1890. Puis pendant quelques années, on fabrique des jantes et des garde-boues en bois pour alléger le système. Aujourd'hui, les roues se montent et se démontent très facilement grâce à l'utilisation des attaches rapides. Et il existe autant de formes de pneus que de types de vélos et d'utilisation. La fonction transmission de l'énergie entre le cycliste et le vélo est réalisée par l'ensemble pédale, plateau, chaîne, pignon et roue arrière. Muni d'un dérailleur et d'un changement de plateau, ce système assure aussi l'adaptation de l'énergie entre le cycliste et sa machine en permettant les changements de vitesse. Actionné par un câble, le dérailleur se déplace latéralement et entraîne la chaîne d'un pignon sur un autre. Le dérailleur possède un bras articulé équipé d'un ressort qui assure une tension permanente de l'ensemble. Le développement, c'est-à-dire la longueur parcourue par les roues sur le sol pendant un tour de pédale, dépend du rapport de taille et du nombre de dents entre le plateau et le pignon. Dans cette étude fonctionnelle, il est intéressant d'analyser deux systèmes particuliers qui n'ont pas eu de suite évolutive. Regardez ce vélo inventé en 1899, il ne possède pas de chaîne. Le pédalier entraîne une tige de transmission qui entraîne à son tour la roue, le tout grâce à des engrenages, comme dans un système de cardan de voiture. Inventé dans les années 1930, le mécanisme Hirondelle est un système à deux vitesses constitué de deux pignons de tailles différentes et de roues libres inversées. En pédalant en avant, la chaîne tire sur le petit pignon. Le grand pignon est alors en roue libre. En pédalant en arrière, c'est l'inverse. La chaîne tire sur le grand pignon et libère le petit. On peut alors plus facilement monter une côte. Fonction fondamentale et sécuritaire, le freinage a subi de nombreuses évolutions au cours de l'histoire du vélo. Système rudimentaire, ce type de freinage sur vélocipède est assuré par un câble que l'on enroule avec la poignée. Il actionne un patin de frein muni d'un ressort de rappel. Puis on équipe les premières bicyclettes avec des freins à palette. Il s'agit alors d'une simple tige venant appuyer le patin métallique directement sur le dessus du pneu. Puis on adapte des patins en caoutchouc. Vers 1880 apparaissent les premiers freins sur jante. Le mouvement de la poignée lève la tige, solidaire des mâchoires de frein munies de patins, qui viennent exercer une pression sur la jante. En 1920 apparaissent les freins à mâchoire, commandés par un câble coulissant dans une gaine. Un type de mécanisme analogue est toujours utilisé aujourd'hui, en particulier sur les vélos de route. Après avoir été équipé du système appelé Cantilever, dans lequel le câble tire directement sur les deux patins latéraux, les VTT sont actuellement dotés de freins v à tirage latéral beaucoup plus efficaces. Dernière innovation, certains vélos sont aujourd'hui munis de freins à disque avec commande par câble ou par pression d'huile. L'intérêt de ce type de freinage, au demeurant assez lourd, et d'être indépendant d'une éventuelle déformation de roues voilées. Les autres systèmes fonctionnels, comme la sonnette, l'éclairage, la protection par les garde-boue, ou beaucoup d'autres, porte-bagages, béquilles, ne sont pas nécessaires au fonctionnement d'un vélo et dépendent de l'usage que l'on en fait. La fabrication d'un vélo s'organise en grandes étapes successives qui commencent par le façonnage du cadre. Les tubes cylindriques sont coupés à longueur puis, si nécessaire, mis en forme ovale par une presse adaptée. Ils sont ensuite calibrés et découpés sur leur partie terminale pour permettre leur positionnement lors de l'assemblage du cadre. Préalablement, on soude les différentes pièces de support. La fabrication des fourches arrière s'opère en deux temps. Création des demi-fourches latérales, puis assemblage de la fourche par soudage. Les supports de frein sont ensuite soudés électriquement. Une fois ces préparatifs terminés, le cadre est prêt à être assemblé ce qui s'effectue sur différents gabarits et en plusieurs étapes, toutes réalisées par soudage. Après décapage et contrôle, les cadres sont peints de façon automatisée. On procède ensuite à la pose et à l'encollage des noms et des différents éléments décoratifs. Les cadres subissent ensuite plusieurs opérations de préparation telles que l'emmanchement des cuvettes de direction et la mise en place du boîtier de pédalier. Pendant ce temps, dans un autre atelier de l'usine, on fabrique les roues et on prépare les guidons avec leurs différentes poignées. La fabrication des roues s'effectue à partir de pièces détachées, réalisation du moyeu central avec les rayons, puis vissage des rayons sur la jante. Cette machine assure la tension définitive des rayons et permet de régler la planéité de la roue. Le montage des chambres à air et des pneus nécessite l'interposition d'un ruban ou mèche qui les protège de la tête des rayons. Le vélo est ensuite construit sur une ligne d'assemblage à partir des éléments fabriqués dans l'usine et de pièces détachées fournies par des entreprises de sous-traitance. Mise en place du cadre sur son support, emboîtement et fixation de la fourche avant, positionnement et vissage du pédalier puis du dérailleur. Tout au long de la ligne de montage, les pièces sont approvisionnées au niveau de chaque poste de travail. Entre les passages de deux vélos, les opérateurs préassemblent des éléments à poser, comme les garde-boues et leurs attaches, qui seront ensuite fixés en une seule opération. Puis la chaîne est mise en place sur le pédalier et le pignon. En fin de ligne, les opérateurs exécutent les derniers assemblages, puis procèdent à tout un ensemble de vérifications qui garantissent la qualité du montage. Puis les vélos sont préparés pour l'expédition et emballés dans des caisses en carton en vue de leur livraison chez les clients. Moyens de transport ou jouets d'enfants, instruments de travail, de loisir ou de sport, utilisation sur route ou sur chemins escarpés, autant d'usages différents qui expliquent la grande diversité des modèles de vélos. La bicyclette est aussi à l'origine des engins à deux roues motorisés, comme le Solex, les vélos moteurs et les motos, idée qui n'est pas récente puisqu'elle date de 1885. Avec une histoire de plus d'un siècle, le cyclisme est un sport aujourd'hui pratiqué par de nombreux passionnés avec des vélos légers et rapides. Apparu en Amérique dans les années 70-80, le vélo tout-terrain ou VTT fait de nombreux adeptes séduits par ce sport qui conjugue à la fois l'effort physique et l'activité de randonnée dans la nature. Vélos des routes, des villes ou des champs sont autant de façons qui nous mettent en selle sur cette merveilleuse machine qu'on a jadis baptisée la Petite Reine et qui se nomme aujourd'hui tout simplement vélo.